Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Yacine, bientôt l'heure de manger. On est en train de regarder Italie-France. La France, ils gagnent 2-0, ils sont si chauds que ça la France. La France, ils sont forts, mais l'Italie, ils sont pas à leur niveau d'avant. Bon la mif, comme je vous l'ai dit dans le titre, on va présenter la table. Et il y a un truc vraiment super sympa qu'il y a et qu'il n'y a pas d'habitude. Donc vas-y, je vais commencer par là. Donc là, on a la base, vous devez connaître. Du poisson avec de la dinde, avec des feuilles de brique. Ça, je pense, dans toutes les familles, il y en a. On a une quiche. T'as mis quoi dans celle-là? Fromage, thon, non? Non, des œufs. Fromage, œufs. On a des concombres, des dattes. Et regardez ce qu'il y a. Vraiment super bizarre, la famille des croissants. Mais c'est pas des croissants en dessert, c'est des croissants pour l'entrée. Et dedans, il y a du fromage, il y a de la viande. Ça va être un truc de ouf. On va voir si Yacine aime bien ça. Non, je vais pas filmer le but. On a du boga. Ça fait super plaisir. Et j'achète aussi un petit truc. Je vous emmène tout de suite. Ils ont encore marqué. Ah, c'est l'Italie, ils ont marqué. Bien joué l'Italie. Bien joué l'Italie, bien joué la France, on aime tout le monde. Regardez ce que je me suis pris, un paquet de frises. Ça là, on va le boire juste après, ça a l'air d'être super bon. Vas-y Yacine, qu'est-ce que tu vas te prendre toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait envie, Ray? Vraiment tous les trucs c'est au fromage. Ouais. Il y en a une à la viande. Et comment on sait la tester à la viande? La fromage et la viande, regarde. Ah, faut regarder. Un croissant tirer. Frère, c'est un truc de ouf. Ah, t'as mis du camembert? Non, du fromage normal. Parce qu'en fait, Yacine, c'est un mec super difficile. C'est un mec super difficile. La vache qui est. C'est de la vache qui est. Il y en a 100. Il y en a 100, il y en a au fromage normal. Il y en a 100. Faut que tu cherches. Et là, c'est du fromage normal. Parce que lui, il a des goûts vraiment spéciaux. Voilà. Il va regarder dans tous les croissants pour voir c'est quoi les goûts. Ça, c'est des pommes. C'est une surprise ou quoi? Il l'a pris ici au pop. Il va prendre quoi maintenant? Ça c'est que au fromage. Il a pas de fromage. Ok parfait. Vas-y, tu t'es pris des croissants. Vas-y au chocolat blanc. Après tu prends. Après tu te prends quoi? Ça c'est pour toi. Les trucs noirs c'est quoi? Ça c'est il y a que le fromage là-dedans. Y a pas de viande hachée? Non non. Ça vaut tu peux en prendre deux. Prends-en même 18. Merci beaucoup. Avec un peu de pâte. Et aussi la famille. Ah, ouais, on t'écoute. Et aussi la famille. Tu sais, c'est quoi le plus meilleur des bons à manger? Ouais. Que j'adore. Ça se dit pas ce que tu dis. C'est quoi, vas-y, dis. C'est la soupe des cordons bleus. Aïe, les cordons bleus, c'est son plat préféré. Voilà mon assiette, la famille. Je vais me régaler. Et vous savez, regardez ce que je me suis pris. Deux feuilles de brique, du poisson. La tarte que ma mère a faite, les croissants, et là j'ai pris de la soupe et de la dinde, ça va être archi bon. Yacine, il m'attend même pas, direct il est parti attaquer. T'as pris... c'est l'heure. Hein. Vas-y, tape-nous un bon croc et dis-nous comment s'est passée cette journée, c'était dur ou facile pour toi? Et la famille? Quoi la famille? Y'a pas de famille, qu'est-ce que tu me racontes? T'as 4 ans, tu dis la famille, t'es malade. Au niveau de la faim et de la soif, ça va. Ça va. Gros menteur, tout à l'heure on était en live, il était au bout de sa vie. Non? C'est toi qui t'es au bout de ta vie. Non mais ce qui m'a vraiment fait subir, ça a été au niveau que je manque d'énergie, j'avais pas trop d'énergie. Là il est 23h, le match de l'équipe de France il a été fini. Donc il y a une nouvelle boisson que Younes il a ramené, je connais pas, c'est frise fraise. Je sais pas c'est quoi. Donc on va goûter, bismillah. Moi aussi je vais goûter. Ah c'est les boissons gazeuses à la fraise. Le lendemain, Sofiane est arrivée. Vas-y tu peux venir. On va lui ouvrir. Il y a Sofiane qui est arrivé. C'est fermé, on n'a pas la clé et ça va sonner. On est en train de regarder en même temps. Wow, Portugal. C'est pas tout ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est Noël. Wesh. Je fais des cours. Oh, c'est le ramadan, faut manger de temps en temps. Pose ça sur la table, je t'ai pris les affaires du Aïd. Non, c'est le ramadan, c'est pour manger tout ça. On va manger du Puma. Ah là, regarde un kifta. Tiens, ma kifta. Ah ouais. Oh, tu t'es pris des bêtes de crampons. Celle-là, je la vois bien sur toi, t'as vu, je pense que ça va bien t'aller. Hein. Mais c'est ce Griezmann, c'est ce qu'il avait hier. Contre l'Italie. Ouais, les Italiens. C'est les Pumas. Tourne-les. Comme ça, là. Puma Future. Elle brille et tout. Et fais voir l'autre comment elle est. De toute façon, là, tu dois avoir une accroche. Ça, c'est Puma One, tourne. Ah ouais, truc de fou. Et il y en a combien? Il y a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Issa vient d'essayer ses crampons, ouais, elles sont vraiment super stylées. Et on va arrêter de rigoler maintenant. Ouais. Vas-y, qui nous les a envoyés, Issa?
Ça vient de tout simplement Puma. Donc je vais vous lire le petit mot. Hello à tous, voici les nouvelles Puma Future et Puma One portées par Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Adil Rami pour la Coupe du Monde. Profitez bien, hashtag New Level, on est ensemble. Merci beaucoup en tout cas. Tu fais partie du New Level toi? Ouais, je fais partie. Bon, alors. En tout cas, franchement, elles sont vraiment très très belles. D'ailleurs, on peut enlever les lacets. On peut enlever les lacets. Elles sont bien à ta taille, ça va? Ouais, c'est bien, c'est réglable. Sofiane, il les a pas encore essayé, Yacine, il vient de mettre les siennes. Donc celle-là, c'est celle de Giroud. Celle-là, c'est des watts, je crois. Et Giroud, il a fait une vidéo où il a dit que genre il y avait un grip devant là. Tu le sens ou pas quand tu touches? Ouais, genre c'est grave, il y a une sorte de grip où la balle elle accroche. Il y a un peu de grip, la balle elle accroche. C'est un truc. Bon, si vous voulez qu'on les teste vraiment sur le terrain. C'est la différence. Ah, je comprends. Il y a touche, il y a Younes, touche. Il y a toi là et touche là où il y a ça là. Ah ouais, là en fait. C'est vrai, tu peux mettre des bonnes transversales. Parce que en fait, c'est Balotelli, il a mis le point. Giroud, il met des pointus. Donc regarde, le grip il est là, c'est pour ça. Balotelli, elle a mis une porte. Ouais, j'ai vu Balotelli, elle a mis une porte, mais parfois t'as pas le temps de tirer. Donc la famille, si vous voulez voir la vidéo, rendez-vous sur la Foot Familia. On va faire un petit deux touches challenge avec des belles reprises. Il y a Nassim qui va nous rejoindre juste après. Ça fait grave mal. Ah ouais, par contre, fais voir les. Hey, j'ai pas vu les crampons, je suis un ouf. Si on t'écrase les pieds pour voir. Fais voir les crampons, comment ils sont. Aiguisés. Tu vois? Et les autres? J'avoue, ceux-là, c'est des. Ceux-là sont bien aiguisés. Hein. Ah. Putain, les crampons d'aujourd'hui, c'est. Oh, regarde celle-là comme elle est longue. Celle-là, ça se voit, c'est une mâchoire. Si tu marches sur un pied, frère, c'est chaud. Ouais, en vrai, t'as un bon maintien, au moins. J'avoue. Bon, la famille, avant de vous quitter, je sais qu'il y en a beaucoup qui font le ramadan. Voilà, regardez. Il y a des gâteaux, il y a des gâteaux. Oh là là. Allez, ciao, ciao.